j'avais des questions. Madame, pourquoi cette forteresse? À première vue, ce n'est qu'une réserve. Oui. C'est pour ça que nous sommes là. Ces barbares, ils ont l'air d'honnêtes gens. Pas vrai? Ils se soutiennent mutuellement, comme s'ils n'étaient qu'une famille. Mais ce n'est qu'une façade. La nuit tombée, ils se sautent à la gorge, tout comme nous. S'il y a des loups parmi eux, ne faut-il pas les libérer? J'avais de nouvelles questions. Cette fois, les réponses tarderaient à venir. Les catapultes! Ne vous arrêtez pas! Le scepticisme équivalait à la mort. Mais l'intégrité exige le doute. Ne vous arrêtez pas! Je ne pouvais rien faire d'autre que de protéger le bélier et de prier. Il se retire. Nous les tenons. Il va être en retrait. Nous étions en plein territoire ennemi. Nous ne pouvions qu'avancer. Thank you.
Nous devions protéger le bélier et nous en servir pour enfoncer la porte. Gunmunder, le légendaire chef de ce fort. Relève-toi. Notre intrusion signait l'arrêt de mort des Vikings. N'était-ce pas la raison de notre présence? Les forteresses, j'en avais déjà assiégé. Alors pourquoi ce trouble? C'est une bourgade, un comptoir. Nous aurions pu venir à bout de ce portail avec un bélier plus petit. La forteresse de Svearngard abritait bon nombre des clans vikings les plus riches, des commerçants replets, loin des réalités guerrières. Il leur faudrait maintenant se battre pour manger. Entrez dans l'histoire.
Je le savais. Il n'y a pas de garnison. Prépare-toi à mourir. Les gens te précèdent, Gunlander. Inutile de faire souffrir ton clan. C'est maintenant ce qui me hantait alors.
Va donc en enfer. Mercy. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu le sais très bien. On les affame. C'est là qu'ils stockent leurs céréales. Il n'y aura pas d'autres récoltes. D'ici l'hiver, ils s'entretueront pour s'approprier le peu qu'il restera. J'ai juré de combattre. Pour la paix. Toi aussi. Vous tous. C'est vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne brûle pas tout? À ton avis, qu'adviendrait-il des clans si nous le faisions? Ils mourraient de faim. Ils s'uniraient. Mais si nous leur laissons juste de quoi en nourrir deux ou trois, ils s'entretueront pour avoir les restes. Et les loups parmi eux s'éveilleront. Nous ne venons pas pour les tuer, mais pour leur révéler leur véritable nature. Les libérer. Il est temps de rentrer. Ma manière de penser ne mit guère longtemps à se répandre à travers tout Valkenheim. Au cours de l'hiver suivant, un Hersir apparut dans le clan qu'on appelle la Grande Horde, résolu à fédérer son peuple. Parfois, il naît un Viking qui porte l'étincelle des dieux. Hersir, tel est leur nom. Un nom qui rallie des armées, sans peur ni pitié. Né pour le combat, c'est le destin qui choisit l'heure de la mort d'un Viking. Alors, à quoi bon les armures? Ou la peur?
un an depuis l'attaque d'Apollyon. Depuis la famine. Les pires d'entre nous s'en sont pris aux leurs, comme des bêtes. Ils s'engraissaient sur le calvaire des siens. Ragnar était de cela. Festoyons ! Et donc, je suis descendu des montagnes. J'ai rejoint la Grande Horde, et nous avons pris les mesures nécessaires. Nous étions venus régler le problème. Ce portail. Faites-leur payer. On a longtemps pris les... Brûlez ce portail. N'interposez pas! Le portail! Brûlons-le! Villageois! À manger. Tu vois. Viens, c'est pour ça qu'on est là. Trouvons ce qui reste. Pour notre peuple. Ils avaient volé les vivres. Leur propre peuple. Nous venions les reprendre. Une vaste forêt recouvrait jadis la vallée de Valkenheim. C'est nous qui l'avons abattue, avant le retour de Viking. Ce faisant, nous avons mis au jour les ruines antiques de la Grande Horde. Magie. Protégez-les!
Ces vivres sont notre survie à tous. Défendez-les. Le Hercir disait vrai. Les vivres étaient là. Même si leur maîtrise de l'acier n'égale pas tout à fait la nôtre, ils restent un peuple remarquablement inventif. Nous aurions tort de les sous-estimer sur ce point. Les Vikings gravent dans la pierre les exploits des héros pour rappeler que seule la gloire ouvre les portes du Valhalla. Il faut une certaine forme de perversion pour baffrer joyeusement pendant que vos guerriers se font charcuter. Je dois finir de piller. Vous n'êtes pas forcé de mourir. Rendez-vous. Un autre Hercir aurait pu avoir pitié. Ils sont à nous, maintenant. Défendez-les! Nous les protégerons. Les vivres n'étaient pas mon seul objectif. Je venais pour Ragnar. Une année entière, les grues, les échafaudages et les scieries des Vikings se sont tus. Que se passe-t-il ici? Toi. Affronte-moi! Ah. Eh bien, entre donc! Voilà pourquoi j'étais là. Pour la grande horde!
rejoins-nous. Arrive, Curipita. J'en meurs de faim. Toi et tes guerriers, vous allez apprendre à vivre comme nous. Vous nourrirez les corbeaux. Jeune imbécile! Autant me demander de devenir paysan! Nous sommes des Vikings. Donc, ces noms... Valhalla. C'est toi le second. Rejoignez-nous. Nous sommes des vôtres. Il faisait plutôt peine à voir, mais c'était un début. La Grande Horde commençait à mériter son nom. Très vite, il ne resta que deux seigneurs à Valkenheim, le Hersir et une implacable tueuse nommée Siv. Comme beaucoup des chefs de la Grande Horde étaient pris en otage, le conflit fut inévitable.
l'œuvre de Siv. C'est de la barbarie. Je t'ai vu prendre des scalps. C'est différent. Bon alors, on attend ton signal. Je comptais bien libérer ces prisonniers.
Des vikings en cage. Inacceptable. Des vikings en cage. Inacceptable. Je sais que c'est toi! Je dirais que c'était le signal. Brisez-leur les os! Le vrai combat venait de commencer. Livrez nos frères! Toi, dans la Grande Horde, laissez-moi rire. Tu parles trop. S'il avait ses troupes, l'armée m'avait moi. Arrive, Kulipita! J
Je suis la plus grande guerrière de tous les temps. T'es assez servi de nous. Tout le monde respecte la loi du plus fort. Nous étions à nouveau unis. Il était temps de libérer le reste de la Grande Horde. Stigander. Vous en avez mis du temps. Va en trouver qui ne veulent pas ta peau. Merci, Ersir. Ne me déçois pas, Jarl. Oh, je t'aime bien. Il était temps de faire valoir notre droit du sang. Les Vikings faisaient maintenant front commun contre nous. J'avais laissé une partie de mes obsidiens garder les chantiers navals de Valkenheim. Stigander, leur nouveau chef, ne comptait pas nous les laisser.